ない。ゴールは絶対割らせん。止めていつ。絶対決めさせない。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team, l'anniversaire aujourd'hui les amis, portail Europe, et quel portail Europe les gars, je pense à mon frérot Atsushi qui joue vraiment Europe, lui il va se gaver, d'ailleurs allez voir sa vidéo, celle de Mitch, Begito, Selmo, tous les frérots, voilà en plus ça rime. Donc voilà, donc step, enfin le step 270 dribbles avec 6 joueurs, enfin non, 6 steps pardon, et 4 joueurs, première multi à 30, etc, etc. On a 50 tickets SR+, qu'on va craquer à la fin de la vidéo, pour donner un peu de contenu, hein, voilà. Je sais pas si je vais invoquer sur le portail Europe, il donne envie. Clairement, il donne envie. Il y en a un qui donne forcément envie, c'est lui. Le Levin, tireur des ténèbres, bleu, attaquant milieu offensif, qui va clairement jouer attaquant, hein, enfin, faut pas se mentir. Suède Espoir, donc Suède World Youth. 1135 d'endurance, très bien. 23705 en attaque. 7005 en dribble, 10034. On n'a plus revu ce chiffre-là depuis Roberto Carlos. Hein. Si je dis pas de bêtises, celui qui a dépassé les 10K de tir, c'est Roberto Carlos. Hein. 6000 en passe, très bien. En plus, il y a la passe dans le. Il y a la new Levin Pass dans le shop Dreamball. Je vous la montrerai à la fin. Parfait. Donc bon, défensivement, on s'en fiche un petit peu. Physique, 6007 en rapidité, très bien. 6100 en puissance et 6002 en technicité, c'est très bien, c'est assez homogène, pas de soucis là-dessus. Il a la super cohésion non jab, 20% pour les bleus, donc il vous faut 5 joueurs bleus, voilà, c'est ouf. Là c'est complètement ouf, super cohésion c'est ouf, 20%. Ils ont été totalement respectés là. Et là, si tu tires et que tu choisis de faire un catch, donc de faire un arrêt et non d'un punch, il prend 12%. Donc il va falloir faire que des punches contre lui. Et il va y avoir un super gardien punch. Éventuellement un gardien vert punch. Peut-être sûrement que là le premier qui m'arrive en tête c'est le Hernandez Dreamfest, le vert. Après pour le Levin, pour que tu casses le passif de ce Hernandez là, il va falloir lui mettre la volée. En plus elle y est dans le shop, la new Levin volée. Donc tu lui mets ça, frère. Donc tu lui mets ça. S'il fait le catch, tu prends 12% et en plus il n'a pas son passif. Donc il est ouf. Il est ouf. Levin turn, le drift du LR. Coucou à mon frérot Néo Légende, qui est le seul de mon entourage à avoir le Levin LR. Le tir Levin Rush en A, bon, j'ai le doublon Levin Club, que je peux lui mettre le tir, faudrait voir à combien il monte. Là, 340, c'est pas suffisant, passe à la Levin, donc elle a une passe qui est dans le shop. En fait, moi, si je l'ai, j'ai déjà 3 PS que je peux lui mettre, mais facile. Après, je peux lui donner. Je crois que j'ai un tackle. Je crois que j'ai le tackle Aurore Boreal S. Donc, je crois que je l'ai. Attends. Ouais, le tackle 5002, c'est sa SP la plus puissante en défense. Donc, je peux lui mettre le tackle et la reprise. Voilà, la reprise. Voilà comment moi je jouerai. Voilà, c'est le bon, forcément le l'aspect dribble, on la touche pas. Le tir du Levin Cologne, la passe S, le tackle S et la reprise S qu'il y a dans le boutique Dreamball. De toute façon, on va voir ça tout à l'heure. Si je n'oublie pas, le lien il donne avec ou au moins 5 joueurs verts, il donne 1% à tous les joueurs, donc soit rouge, vert. Bleu, pas de problème, il faut au moins 5 joueurs sur le terrain, bleu,
1%, donc bon, c'est un peu moins bien que le Diaz et le Tsubasa, etc., ceux qui sont sortis à la première vague d'anniversaire, mais on prend quand même. Réduction de 3% des effets de diminution touchant les alliés, pardon. Donc il a le shield qui protège les autres de 3%. Quand il fait une passe dans la surface, c'est toujours un ballon haut, donc parfait pour ceux qui sont extrêmement forts. Avec des spé très très fortes de ballon, je pense à Margus Dreamfest, peut-être à Kluivert aussi, pourquoi pas, ça peut être sympa. Tueur d'endurance, technique adverse en duel, plus 25%, donc c'est-à-dire que le mec qui va être en face de lui, il va devoir dépenser plus de 25% à la base, à la base sa spé, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Et il tue tous les défenseurs 15%. C'est-à-dire qu'il prend plus 15% qu'un défenseur. C'est ouf. Franchement, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue parce que face à un défenseur, déjà, il va lui enlever 25 pour, il va utiliser 25% de sa stam pour déclencher une spé. Et lui, en plus, il prend 15% face à un défenseur. Non, mais c'est complètement dingue. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. C'est complètement ouf. Donc je pense qu'on a fait un tour, voilà le tour de Lévin, parfait, parfait. Le Hernandez, voilà, Hernandez, il est là, il est rouge, 1055 en endurance, 5007 en punch, 9021, donc on se rapproche presque des 10 000 d'arrêt, parfait. 5009 en rapidité, 5009 en puissance, très bien, 7050 d'excité, franchement très 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 bon gardien. Europe, voilà, Europe, on va dire Europe rouge, hein, voilà, on va plus aller sur une Europe rouge, donc lui donne à tous les noms Jap force plus 20%, donc parfait. Donc si tu joues, là j'ai vu que mon ami Selmo il l'a mis sur le banc dans sa Sudam rouge et ça a monté, ça a clairement monté, ça a donné encore plus de puissance à son équipe, donc tu peux faire un peu ce que tu veux avec ce Hernandez. Mais clairement, si t'as pas de gardien Europe viable, c'est lui qu'il te faut. Voilà. Clairement, c'est lui qu'il te faut. Tu peux le faire avec une Europe un peu mixée. Voilà, une Europe mixée, ça peut le faire. Ça peut clairement le faire. Le body, je sais pas quoi, de la mort, le full body, donc lui, plus il a de l'endurance et plus sa TS augmente de 25%. Donc c'est ouf aussi. Donc dès le début de match, tu pourras presque pas lui marquer un but. Par contre, après, ouais. Après, en demi-temps, vu qu'il a moins de stam, bah, sa TS sera un peu moins forte. Donc, arrêt ultime du gardien parfait. Ça, normalement, c'est l'arrêt du Dreamfest, le vert. Et main gauche argent, S. Très bien. Voilà, c'est un coup de poing. Mais bon, coup de poing, il n'est pas terrible, terrible. Donc, voilà. Au moins, c'est le mérite d'être là. Si t'as pas de stam, bah, il te reste que ça. Lui, malheureusement, voilà, il a juste sa réduction de 5% hein, d'être touchant les alliés. Voilà, donc lui aussi il a un shield, c'est pas complètement dingue, mais c'est sympa, voilà, c'est très sympa. Le gentil est ouf, le gentil est vert, 1082 World Juice, 14880 en attaque, on va pas détailler, ça sert à rien. Par contre en défense, 23 910, presque 24 000, 8469 en attaque, 8184 et 7252 en interception, c'est complètement ouf. Il est ouf. Il est ouf, je sais pas s'il est pas plus fort que le Dreamfest, je ne sais pas. Faudrait revoir les stats et tout, mais déjà avec le potentiel et tout, oui, il est plus fort que le Dreamfest. Voilà. Après, c'est un Dreamfest, c'est un double Dreamfest, bien évidemment, tu vas aller lui mettre le contre S du Dreamfest à la place du contre A du Dandy. Si tu as aussi une interception S à lui mettre, pourquoi pas. Après, ce que tu pourrais peut-être lui mettre autre, peut-être, attends. Qu'est-ce que tu. Ouais, une passe, mais bon, la passe 6000. Ouais. Il faudrait que tu tombes contre un attaquant qui n'a pas de spé d'interception. Ouais, je lui mettrais une passe. Voilà, je lui mettrais la passe. Peut-être ou sinon, tu gardes la passe A80. Voilà. Donc, non, non, très très fort. Très très fort. Par contre, lui, c'est pas la super cohésion. Il a juste la cohésion, on va dire, normale. 15% pour les non-jap. Un petit peu dommage. Et tueur d'attaquant, il prend paramètre plus 25% face aux attaquants. Il est ouf. Déjà qu'il était fort là, en plus, si tu lui mets 25% supplémentaire, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Donc, lui, il est comme Levin. Il faut au moins 5 joueurs verts
Et tous les joueurs prend 1% supplémentaire. Donc c'est très bien. 3% par rapport au shield. Voilà, diminution de paramètres touchant les alliés. Ça, pas de souci. En remportant le duel, le paramètre moins 5% lors du choix de la commande pour l'adversaire. Voilà, donc ça veut dire que quand tu vas remporter un duel face à ton adversaire, quand ton adversaire va récupérer le ballon, va faire quelque chose, va être en duel contre toi, déjà, il va avoir une diminution de moins 5% sur la prochaine commande que lui va avoir. Voilà, c'est relou. C'est relou. Donc lui, il ne se jette pas en l'air quand il se prend un super Raiju shoot de la mort. C'est très bien. Non, franchement, pas mal le gentilé. Pas mal du tout. Le Robson 10039, il est rouge. 15519 en attaque. On va pas les détailler. Par contre, on va aller en défense 22084. Tacle 6008. On va même aller à dire 6009. 7134 en contre et 8057 en interception. Donc gros intercepteur ce Robson qui a le mérite d'être milieu défensif. Voilà, milieu défensif défenseur, double poste. C'est sympa. Qu'est-ce qu'on a? Donc lui il a la cohésion comme notre ami Gentilé qu'on vient de voir. Donc lui donne 15% au non-jap. Donc parfait. Ignore le type de couleur, donc il ne craindra plus les joueurs bleus. Donc ça peut être sympa aussi, ça peut être tactique. Interception à la British, 450. Voilà, gros intercepteur, bien. Tacle à forte puissance. Je crois qu'il y a un tacle aussi dans le shop Dream Ball. Et le contre parfait, donc aussi ça aussi tu peux trouver ça facilement un contre S. Donc tu mets 3 contre S, pas trop de soucis. Pas trop de soucis. Sinon, ce que je pourrais peut-être lui mettre un dribble, pourquoi pas, pour s'en sortir. Ou voir une passe. Voilà, c'est tout. Ensuite, voilà, 5 joueurs, avec au moins 5 joueurs. Type force sur le terrain et tout le monde prend 1% supplémentaire, c'est bien, c'est sympa. Donc lui aussi, le shield de 3%, c'est sympa. Et lui, scelle une technique spéciale de l'adversaire, probabilité à 50%. Il y a une chance sur deux qu'il te scelle une TS. Par contre, ils disent pas quel type de TS, tir, passe ou dribble, ça va être au choix, ça va être au hasard. Mais tu as une chance sur deux de sceller une TS de ton adversaire, ça c'est pas mal. Et il diminue à moins 25% le joueur qui est en face. Après, si le joueur en face a beaucoup de shield ou quoi, je dis pas qu'il y a très peu de chances que ça se prog, mais voilà, c'est bien, mais que contre les joueurs qui n'ont pas trop de shield. Non, pas mal le comment il s'appelle le Robson, mais voilà, celui que je préférais c'est vraiment le Levin. On va craquer les tickets SR+, hop, voilà. Donc ça c'est les récompenses qu'on a eues les gars sur les missions que Clap nous avait demandé, tu sais, de jouer les matchs et tout et tout, tu vois, de faire des matchs en ligne, etc., etc., etc. Donc là on n'a rien. Donc, SR, ça peut être sympa pour récupérer quelques TS, pour monter des TS. Voilà, au moins c'est pas du R qui sert absolument à rien. Ça charge. Non, je crois pas qu'il y a, je pense qu'il y a rien. On va skip. Allez. Au moins c'est gratuit, donc bon. C'est gratuit. On va pas se plaindre. Ah, j'y ai cru. Beaucoup de pigeons. Ah! Bon, j'ai déjà. J'ai déjà. Le Vulcan. Bon, après, c'est gratuit, donc bon. On va pas se prendre la tête. Bon, au moins, on a eu un SSR. Allez. Dernière multi SR+. Après, on va voir le. Ah! Allez! Donne-moi au moins un César que j'ai pas. Au moins un César que j'ai pas. C'est tout ce que je te demande. Même pas forcément un bon ou
Ah ça, en plus je crois que c'est le premier. C'est le premier, mais bon, à 90% ça va être un doublon. Wow. Ah, je l'avais pas! Ah, je l'avais pas le Larson. Super cohésion pour l'Europe verte. C'est combien lui? Il donne combien? 15? 15. Ah, pas mal, je l'avais pas. Parfait. Parfait, parfait. Je sais qu'Atsushi le cherchait beaucoup celui-là. Tueur de milieu défensif et de défenseur. Ah ouais. Non, 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 il est bien. Ah, mais je crois que c'est le. C'est peut-être le Larson qui va super vite. Regardez déjà, il a 10, il a 1084 en rapidité. Donc, ah, je suis content. Je suis content du pool. Voilà, je l'avais pas. Parfait. Parfait, parfait. Celui-là, je le garde, je le mets de côté. Bon, voilà, bon, on est plutôt content. On va voir vite fait la boutique. Donc, forcément, les nouveaux maillots sont tous disponibles. Par contre, des Dream Ball payés. Boutique. Donc voilà, pour le Levi'd, je vous conseille vraiment. Bon, pas le tir. Le tir est un peu flingué. En plus, bon, il prend énormément de stab. C'est ici. Bon, voilà, là, c'est les maillots que voilà, tu prendras celui que tu veux. T'as le maillot de l'Italie. T'as les trois maillots de l'Italie, je crois. T'as le. Ouais. T'as même pas le maillot du gardien. Je crois que le maillot du gardien, il te l'offrait déjà à l'époque. Donc, maillot d'Italie blanc et le vert, le troisième. Le maillot de la Suède avec le maillot du gardien Suède. T'as les trois maillots de l'Angleterre, le blanc, le rouge et le maillot du gardien. Bon, les maillots uruguayens, on les a déjà vus. Alors, Levin Shoot, je le prendrai pas à votre place. Par contre, New Levin Pass, lui, il faut le prendre. Lui, il faut clairement le prendre. Contre du Dandy. Voilà, ça peut, oui. Si t'as pas le compte des Riffes, ça peut peut-être faire le café pour le jeune Tillet. Pourquoi pas. La passe du Dandy, pourquoi pas aussi. Comment il s'appelle notre ami Robson. Tacle à forte puissance aussi. Pourquoi pas si tu le drop. Voilà. Bon, en tout cas, le New Levin Pass, ça faut prendre absolument. Il n'y a pas de tergification à faire. Je vais peut-être, allez, je vais faire le premier palier, comme dirait notre ami Matt, Yuna, la multi à 30, ça se tente, donc on va la tenter immédiatement, allez, je la tente avec vous, après on va voir si on va dropper quelque chose. De faire deux feux d'artifice, flèche bleue, non, ça sent pas bon, non. Non, bon, bah voilà les amis, bon, je réfléchirai en off à tête froide si je continue le step ou pas. Voilà, hop. Moi, je vous laisse là-dessus. Peut-être rapidement les infos. Tout à l'heure, on va avoir des. À 17h, on va avoir. Alors, attendez, je vous montre ça. Pas ça, non, certainement pas ça. Voilà, ça. Alors, d'après ce qu'on nous a dit, ce serait peut-être des tickets. Ou une multi, donc si c'est une multi, il va falloir la faire, les gars, sinon bah, elle va s'annuler. Le cinquième et septième jour, et c'est sa garantie. Et comme vous le voyez à la bannière, comme je vous l'ai dit, je crois, lors de la précédente vidéo, il y aura des Dreamfest et des Dreamco dedans. Donc, le cinquième et septième jour, il se peut qu'il y ait des gens qui, sur Twitter, nous montrent des multi de la mort. Voilà, des multi complètement ouf. Voilà, c'est le Schneider, j'aimerais bien l'avoir, je l'ai pas. Le Schneider V2, je l'ai pas, donc pourquoi pas à cette occasion. Sinon, bah je crois que c'est tout. Et on va avoir aussi le Vulcan. Le Vulcan, je crois qu'il va donner des Katagiri, tout et tout. Tout à l'heure aussi à 17h. Donc rendez-vous à 17h pour encore d'autres récompenses. Les amis, moi je vous laisse. Je vous souhaite bonne chance pour vos poules. Et on se dit à la prochaine. Ciao ciao!